Hey bien, salut tout le monde, c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les plus grosses pépites du mode carrière sur FIFA 19. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Pour le premier joueur de cette vidéo, on part en Calcioa et plus précisément à l'Udinese avec Felipe Vizeu. C'est un buteur, il a 21 ans et il mesure 1m84, donc cela reste quand même un gros gabarit. Il commence avec 75 de général et il a un potentiel de 87, soit une évolution de plus 12, ce qui est énorme. En plus, il est très complet avec 3 étoiles de gestes techniques et également 3 étoiles de mauvais pied. Il vaut 12 millions et il a un salaire de 23 000 €, donc ce joueur sera plus accessible avec un club qui a un minimum de budget. On passe au deuxième joueur qui est Mere, c'est un joueur qui est assez connu et il évolue à Naples. C'est un gardien qui mesure 1m90 et sa note de jeu général est de 75. Et sa marge de progression est énorme car il peut atteindre les 88 de général. Sa valeur est de 10,5 millions, ce qui reste abordable pour un gardien de son calibre. Troisième joueur les amis, c'est Ryan Sessegnon. Il évolue à Fulham qui au passage a réalisé un énorme mercato. Sessegnon a 18 ans, il a déjà 75 de général, ce qui est énorme. Et il a une marge d'évolution très très grande car il peut atteindre les 88 de général. C'est un joueur très rapide et dribbleur et sa valeur est de 12 millions. Et son salaire de 33 000 € par mois, donc c'est un joueur plutôt destiné au club avec un budget correct. Seul bémol, il a 3 étoiles de geste technique, mais il se rattrape avec ses 3 étoiles de mauvais pied. Pour le quatrième joueur, on traverse l'Atlantique et on arrive en MLS du côté d'Atlanta United. Et le joueur qui nous intéresse, c'est Ezequiel Barco. C'est un joueur polyvalent car il peut jouer milieu gauche, MOC et buteur. Il a 19 ans et il a 74 de général. Son potentiel s'élève à 89, ce qui reste vraiment bien. Personnellement, j'utilise en tant que milieu gauche car il est assez petit. Il fait 1m67, mais il compense sa taille par sa vitesse et sa technicité ainsi que son aisance balle au pied, avec notamment 4 étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds. Sa valeur actuelle est de 12 millions, mais il a un tout petit salaire de 5 000 € par mois, donc n'hésitez vraiment pas à le prendre dans vos carrières. Pour le cinquième joueur, on part à Valence, et c'est Ferran Torres. C'est un ailier droit de 18 ans qui a une note de général de 73 et qui a un potentiel de 87. Il mesure 1m80 et il est assez rapide et technique. Il dispose de 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de gestes techniques. Sa valeur est de 8 millions et il a un salaire de 18 000 € par mois, donc c'est un joueur plutôt accessible pour beaucoup de clubs. Pour le sixième joueur, on part à Dortmund et le joueur qui nous intéresse c'est Jadon Sancho. C'est un joueur qui évolue au poste de milieu gauche, il a 18 ans et il a déjà une note de 72 de général. Son potentiel est de 87 alors que sa valeur est d'à peine 6,5 millions. Et son salaire est de 18 000 € par mois. C'est un joueur très rapide et très technique qui peut faire la différence à chaque instant. Pour le 7ème joueur, on part en Ligue 1 et plus particulièrement au PSG avec Timothy Weah, un joueur très accessible même pour les tout petits budgets. C'est un buteur de 18 ans qui peut aussi jouer ailier gauche, il a une note de 68 de général au début du jeu, mais il peut augmenter à 87 de général. C'est un joueur plutôt rapide et pas mauvais des deux pieds. Sa valeur est de 1,9 million mais son salaire est assez élevé avec tout de même 24 000 € par mois. Le prochain joueur évolue en Première Ligue à Chelsea et c'est Hudson Odoi. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer ailier gauche, MOC et AD. A seulement 17 ans, sa note de général est à 68 et son potentiel peut atteindre les 87. C'est un joueur assez rapide et physique, il a 3 étoiles partout, ce qui est déjà bien pour un joueur de son âge. Sa valeur est de 1,8 million et son salaire de 32 000 € par mois. Pour le dernier joueur de cette vidéo, on part dans la Principauté de Monaco avec Pietro Pellegrini. Un jeune buteur italien de 17 ans. Sa note de général est de 67 et son potentiel est de 87. Son seul point faible, c'est son mauvais pied car il a seulement 2 étoiles. Sa valeur est de 1,5 million et son salaire de 22 000 € par mois. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si par hasard, on attend les 300 likes, je vous fais une partie 2. C'était Kebab. Peace.